nous, ce qu'on, notre plus-value par rapport à la recherche que l'on fait, c'est qu'on travaille à la fois sur la matrice, donc bien la compréhension de comment la matrice peut être extrudable et puis après être imprimable. Et puis d'autre côté, c'est le hardware. Donc, il faut avoir enfin, les deux compétences en même temps. Donc un Fab Lab va plutôt se concentrer sur la machine. Un laboratoire de recherche classique va plutôt se concentrer sur la matrice. Et nous, on a les deux compétences. Donc, mais la matrice c'est ça qu'on appuie. La matrice, c'est le produit alimentaire, en fait. C'est le, la matière. Et après, justement, aussi, compléter ce que dit Dorothée, le Fab Lab, voilà, il maîtrise effectivement la machine. Mais justement, c'est toute la richesse aussi du Smart Gastronomy Lab, c'est qu'on mêle des compétences complémentaires. Donc, on est adossé à un Fab Lab, donc le track de Namur. Pour le hardware, c'était une question. Donc, en fait, c'est parce qu'on a différentes compétences. Donc, ici, on a la partie, en fait, vraiment recherche culinaire. Donc, on a un laboratoire qui est agréé par l'AFSCA, donc on peut travailler des matières culinaires. Mais alors, à Namur, dans le track, on a une partie de Fab Lab, aussi un Fab Lab culinaire, où là, on a des imprimantes et on a c'est une graveuse laser qui nous permet de graver par exemple sur les aliments. Et comme on a les compétences par rapport à tout ce qui est législation et tout ce qui est ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'après il faut être sûr que ce soit mangeable et que ce soit sécurisé pour le consommateur, et ben on peut faire aussi ce travail-là de pouvoir concrétiser, en fait jouer avec des outils des Fab Labs et puis après en faire quelque chose qui soit commercialisable parce que c'est ce qu'on a. Effectivement, donc là, je vous disais tout à l'heure, la Biofactory ne comprend pas que l'impression 3D alimentaire, mais on va aussi on va développer les outils avec le temps. Mais l'autre outil qu'on développe actuellement, qui est déjà en application, qui a déjà des applications, c'est la gravure laser. Qui va nous permettre d'imprimer sur des matrices alimentaires, voilà, différents logos, différentes formes, différentes photos. Nouveau logo, donc on concrétise en fait. Donc là, le projet d'impression 3D, c'était un projet qui avait lieu au sein, qui était mené depuis un an et demi à peu près, je travaillais là-dessus, au sein du Smart Gastronomy Lab. Okay. Et puis, bah, voilà, à force de faire beaucoup de salons et tout ça, de communiquer, on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes. Donc maintenant, on concrétise ça sous forme d'une start-up. Ah, d'accord. Donc qui s'appelle la Miam Factory. Et donc là, la Miam Factory a pour vocation à produire des pièces personnalisées, des pièces alimentaires personnalisées à la demande. Mais on ne se cantonne pas qu'à l'impression 3D. Donc c'est essentiellement pas l'oreca, c'est l'oreca. Si, notamment. C'est beaucoup d'oreca. Mais principalement le B2B. Beaucoup moins le B2C. Mm-hmm. Le B2B, oui, donc oui. Par exemple, voilà, la French Tech, galère, où c'est des volumes de commandes plus impressionnants, plus importants que voilà, des particuliers qui vont me demander ah, bah, moi, est-ce que vous pourriez me graver, m'imprimer en 3D le prénom de ma fille. Bon, bah, une pièce, je ne suis pas contre. Après, le problème, c'est la logistique. Après, c'est comment aller leur remettre, s'ils habitent à Anvers, comment je vais aller leur redonner. Par la poste, ça va arriver en mille morceaux. C'est ça. Je ne peux pas me permettre d'aller porter une pièce à Anvers, les frais de port, enfin les frais de transport, c'est plus cher. C'est ingérable. En été, c'est plus compliqué. Et après, voilà, sinon, il faut que la personne elle vienne. Donc pour l'instant, on se destine vraiment plutôt au B2B. De linéarité ou de conformité par rapport au modèle. Bon, là on voit bien, là il y a des petites bulles
ça tient. Donc là, les petits défauts, donc ça, on pourrait l'évaluer et donner un chiffre. Bah oui, là, on a 10% de pub, de défauts sur la pièce. Donc ça, on l'a fait, notamment avec le fromage. On a mis au point. On a travaillé sur l'analyse, des outils d'analyse d'image qui permettent, on scannait la tranche de la pièce et on voyait quel était le. Par rapport à une ligne fixe, quelle était la granulométrie, sa distribution. C'est les grands chocolatiers, on va dire, belges et français. On travaille avec des chefs aussi, par exemple. Ouais. C'est des chefs gastronomiques sur le fait qu'on peut aussi utiliser ça pour créer un dessert unique sur assiette aussi. Pas être que des pièces vendues comme ça, mais une pièce qui fait partie de toute une composition et qui apporte des nouvelles choses par rapport à la création. C'est des logiciels qui sont classiquement utilisés avec l'impression 3D plastique. D'accord. Nous, en l'occurrence, on utilise Cura, qui permet d'avoir un paramétrage maximal. Donc, on peut modifier tous les paramètres très de la machine. Très customisable. Et même l'imprimante est très open, dans le sens où on peut modifier tous les paramètres. D'accord. Aussi, également en cours d'impression. Donc, moi, quand je vois comment ça réagit au cours de l'impression, je peux ajuster ces paramètres-là. Donc, c'est pour ça qu'on est parti dans cette voie-là, par rapport à d'autres imprimantes ou d'autres logiciels qui, eux, sont beaucoup plus fermés et où vous pouvez modifier beaucoup moins de choses. Et ne serait-ce que déjà, Cura, il y a quand même des choses que vous ne contrôlez pas. On a eu l'expérience cet été avec le fromage, comme je vous disais, où là, il y avait certains paramètres qu'on ne pouvait pas modifier parce que par derrière, Cura remodifiait pour adapter à ce que lui, il sait faire. Des paramètres qui sont liés. Donc en fait, quand on modifie un paramètre, il va lisser en fait, la modification en rechangeant un autre paramètre. Pour l'impression 3D plastique. Donc nous en fait on utilise les mêmes bases de données sauf que eh bien, on modifie juste le paramétrage de l'imprimante. Donc ça c'est la première solution. Ou alors la deuxième solution c'est de scanner un objet. Donc maintenant on a sur les tablettes des accessoires qui viennent ou même des accessoires idoines pour scanner un objet. Donc ça par exemple l'an dernier on avait été à l'Expo de Milan pour montrer l'impression 3D, c'était Marcourt qui nous avait payé le voyage, donc il nous avait demandé est-ce que vous pourriez m'imprimer ma tête en 3D. Ah. Et donc on a scanné en 3D et après on l'a imprimé. Bon, on ne l'a pas fait à Milan parce qu'il faisait un peu chaud et fort humide, donc on l'a fait en rentrant ici, mais voilà. Et la troisième solution, c'est concevoir la forme. Donc on utilise des logiciels alors plus ou moins compliqués. Moi, je n'ai pas suffisamment de compétences pour utiliser des logiciels vraiment de 3D. DAO. 3D. On utilise Fusion 360. Donc c'est un peu Photoshop, mais sur lequel vous pouvez dessiner avec la souris, vous créez un trou en enfonçant dans la matière ou des trucs comme ça. C'est génial, mais c'est hyper compliqué. Enfin, c'est hyper. Faut s'y mettre. Faut être initié. Temps, voilà. Ou alors il y a des logiciels beaucoup plus simples d'utilisation, tels que OpenScan. Donc moi c'est ce que j'utilise pour le moment. Où là, c'est du code. Et donc vous lui dites, trace-moi un cercle, trace-moi un carré. C'est les coordonnées. Tu les voilà. C'est les coordonnées. Donc quand vous avez des formes géométriques. Il faut suivre une formation ou qu'on nous apprenne à faire le chocolat ou alors voilà, il y a beaucoup de livres ou de sites sur internet où ils expliquent comment faire et puis après il faut se faire la main. Pas forcément en le faisant pour l'impression 3D par derrière, mais si vous le faites après dans des moules en polycarbonate, donc comme on fait les pralines, là vous êtes sûr que si vous ne tempérez pas bien le chocolat, vous n'arriverez jamais à démouler. Donc c'est le meilleur moyen de savoir que ça fonctionne bien. D'accord. Vous mettez, quand j'en ai un là, vous mettez le chocolat dedans, si ça sort, vous avez bien travaillé. Donc il faut aussi exercer plusieurs fois, voir un peu comment ça réagit, la tolérance que vous pouvez vous accorder. Parce que voilà, quand on tempère le chocolat en suivant la courbe de température, c'est plus ou moins un demi-degré près. Donc, c'est hyper précis, il ne faut pas descendre trop bas, il ne faut pas remonter trop haut. C'est quand même très délicat et donc il faut voir un peu ce qu'on appelle la robustesse de la méthode. Nous, on a déjà rencontré des industriels aussi qui nous ont dit tester du faux chocolat. Alors nous, par contre, c'est du vrai chocolat, il n'y a pas d'additif. Qu'est-ce que vous entendez par contre du faux chocolat? Alors le faux chocolat, y en a eu un que alors, je ne sais plus qui l'a sorti, mais non, c'est pas Nestlé, c'est un chocolat qu'ils font moins. Parce qu'ils ont changé en fait les acides gras qui forment les triglycérides du beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est ça qui donne la viscosité au chocolat. Il est composé de triglycérides. Et les triglycérides, c'est 3 acides gras. Et en fait, en changeant la nature des acides gras, le degré d'insaturation,
vous allez voir des points de fusion qui sont différents. D'accord. Par exemple, le beurre tendre, par rapport au beurre, c'est juste un fractionnement du beurre parce qu'ils ont sélectionné les triglycérides où il y avait certains acides gras qui permettaient de diminuer le point de fusion. D'accord. Vous avez un beurre qui est plus tartinable à la sortie du frigo. Donc en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle du faux chocolat. Et donc nous, on ne veut pas travailler avec ce type de matière parce que voilà, c'est déjà de la technologie qu'on apporte dans les cuisines donc qui peut un peu bloquer certaines personnes. Donc si en plus, vous introduisez une matière sur laquelle vous avez triché, là c'est mort. D'accord.